c'est toi. Ces fissures sur le revêtement de la chaussée sont le premier signe d'alerte. Pourtant, le mal prend de l'envergure. Just as he has received, may you to receive now. I said, take it. Take his grace. Take his power. Take it. Never the same. I said, never the same. Un coup au bera, un laisse au bera, Gary Ibera, Kwasi Ibera, Ikwan Ibera, Ibubola Ibera. Tu es sedina, bakana niyo be biya ba te fwa biya mberen. Tu ba ba kalo un coup au bera. Iboya kane biya. Idia sobo ngwalo sue, ngwaye hele binge ko sobo sue, ane bendi ya. Monsieur le ministre du Commerce, c'est mauvais. Nos marmites, nos ventes et nos poissons entre les mains des criminels. Le sel a augmenté, le riz a augmenté, le poisson a augmenté, le bâton de manioc a augmenté, le tapioca a augmenté, le sucre a augmenté, l'huile à l'or, un boine, l'huile, AB. Et tout dit, non, non, sucre, au coup fourreur, et un vieux, au coup beau marmite, à sous-noyant, un boine, bien bouboya, bingue reboudié. On a donné le commerce à qui? Qui contrôle les prix augmentent. Tout le monde dit mais ben, même dit mais tant le maman même barré bête. Même l'eau minérale augmente. Biboya, il tout le monde dit même la salive va augmenter.
il va contrôler, il va faire des zambia, même barne, bien, il comment on peut nous tenir les couilles, comment on nous tient les texicules comme ça. Bingo boabe, yungo boabe, comme les zambili. C'est la famine qui amène la guerre. On ne peut pas nous malmener comme ça. Je jure que c'est mauvais. À bien haut, ma robène, même la marche à pied va augmenter. Tu as douleur, mon colder, c'est bête. Bitel mbabe. Mbabe. Me voya. Hein? Ngou belembang, ou bima. Ou belembang, yobim mbang, mbang, yfundi. Mais je dis, oh, le goudé, il faut courir sur ces personnes. C'est des malhonnêtes, des criminels. Tout ça, c'est pour vous. Ils ont tout contrôlé. Maintenant, les boutiques, c'est qui? Les boutiques, c'est qui? Les Sénégalais, les Maliens. Et vous disent que quoi? Des Koussiya, des Biasukunia, ils ont acheté comment? Pour vendre comment? Un petit ministre, un Massa, un Medzang. Yuya, Yubelumbang, Okolwa, Ongokwa, Siburwa, Anlo, Anebenia. Yibini, Ya, Yibini, Yuananga. Yibini, Bizambouana. Adjamta, Sigambango. L'affaire n'est pas bien, tout au monde. Est-ce que nous on fait la guerre en Ukraine? On ne fait pas la guerre. On est mêlé dans quoi? On ne nous mouille. On ne nous mouille. On ne nous mouille. Ces fissures sur le revêtement de la chaussée sont le premier signe d'alerte. Pourtant, le mal prend de l'envergure. Si au départ, on avait prêté une attention particulière, une attention singulière, à ces dégradations, on ne serait pas arrivé aujourd'hui où on est obligé de faire une réhabilitation de la route. Nous, on procède à la réhabilitation au lieu de faire l'entretien. 121 000 km, c'est le linéaire. Plus de 7 200 km, soit 6%, sont revêtus, alors que 114 000 km, soit 94%, sont en terre. Ici, l'entretien est mis à mal par un manquement grave. À quoi ça sert de faire une route en terre et les fossés ne sont pas convenables? Et généralement, ça commence par le caniveau qui s'érode et emporte les matériaux de la chaussée qui sont supposés être stables. Autre péril, le non-respect des règles prescrites. On peut faire une étude, même si elle est complète. Les travaux sont exécutés longtemps après, sans prendre en compte, n'est-ce pas, les dégradations qui ont eu lieu entre le temps de réalisation des études et l'exécution des travaux. 51% des routes sont en mauvais état. En 2022, plus de 41 milliards de francs CFA vont permettre d'entretenir 5400 km de routes nationales et régionales. L'adéquation enveloppe et réalité du terrain. La solution ne donne pas avec, par exemple, l'intensité du trafic, les conditions pluviométriques. Il faut noter que depuis deux exercices budgétaires, l'entretien des routes est passé au budget de fonctionnement et non plus à l'investissement. Reste désormais à questionner le professionnalisme des entreprises sollicitées. Found in me, it will fall down.